c'est vraiment un moment de réjouissement parce que nous savons tous que par ces temps difficiles, les parents ploient sous le poids des fournitures et des contributions volontaires qu'on leur demande. Donc c'est vraiment une aubaine pour la population de Léona Diamagan que cette association pense à venir donner ses kits. Nous avons pris l'engagement avec le directeur de transformer cet appui en résultat. Déjà l'école est à 93%. Nous pensons que l'école peut aller jusqu'à 100%. Pourquoi pas? Alors l'autre aspect, c'est vraiment profiter de l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, l'école, c'est l'école de la communauté. C'est heureux que le CAYET, avec son président Baye Diffal, ait pensé à faire un retour au royaume d'école. En quoi faisant? En non seulement amenant un partenaire, mais en étant de manière constante aux côtés donc, du CGE et de l'équipe pédagogique. Voilà vraiment le sens de la cérémonie d'aujourd'hui. Nous avons accueilli l'association ABCD pour tous, qui est présidée par Mme Diara Ndiaye, qui est ici présente. Et nous nous réjouissons fortement et très sincèrement de cette venue. Parce que ça nous permet aujourd'hui, franchement, d'avoir un partenaire qui a le même but que nous, c'est-à-dire le développement de l'école. Et ça nous réconforte dans ce que nous faisons et ça nous pousse à aller de l'avant. Et c'est leur présence aujourd'hui, en cette période surtout, où l'école, où l'État parle de Ubutei Dangutei. Si vraiment ça vient à son heure, parce que c'est des kits scolaires, c'est des cahiers, c'est des accessoires indispensables pour une bonne étude. Donc dès la rentrée, nous sommes certains que nous pouvons prôner, nous pouvons faire sien de Ubutei Dangutei. Et c'est sûr que le DL6, tous les élèves régulièrement inscrits auront leur kit scolaire. Nous avons choisi cette ville cette année pour accompagner un millier d'élèves presque, parce que l'école est un droit fondamental. Nous sommes là, ici, pour les accompagner, aux côtés des acteurs locaux, bien entendu, comme M. Fall, ici présent, président de la CAED, et qui va nous permettre aussi d'acheminer du matériel scolaire pour les enfants et leur permettre, bien sûr, d'avoir une scolarité des plus saines, en tout cas, à participer au maximum pour cela. Le matériel scolaire, c'est un kit qui est composé d'un cartable, de plusieurs cahiers de brouillon, de cahiers d'écriture, de cahiers également, de feuilles pour les élèves qui, des feuilles papier canson pour les élèves qui sont malvoyants, déficients visuels. Il y a également un kit géométrique qui est à l'intérieur de ce cartable avec des crayons de couleur, avec des gommes, des crayons de papier et également des feutres pour colorier.